Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Un air d'accordéon et chansons. Et merci à Paul-Joseph Bredoux qui est resté bien sûr dans notre studio également. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ben ça va malgré le temps. Vous avez du beau temps dans votre région? Non, je plaisante évidemment. C'est bien humide. C'est bien humide. Bon, alors pour commencer aujourd'hui, avant d'accueillir notre invité, un premier titre et après, c'est promis, notre invité, il est arrivé. Voilà, donc j'ai fait Dans le local donc avec Patrick Caron. Il y a longtemps qu'on a vu, mais en fin de compte, on pense bien à lui. Exactement. Et avec un titre qui nous ramène à la nature, Rêve de jockey. Bah écoutez, ça ne peut pas mieux tomber. Voilà, après une marche au trot ou au galop. Oui, comme on veut. De toute façon, on doit dire que les chevaux, il y en a justement. On va on va parler un petit peu dans ce domaine-là également aussi. Et donc, effectivement, galop. Alors, notre invité aujourd'hui qui est là, rassurez-vous, il était à l'heure. Hein, c'est très, très bien. C'est Cyril Lemaitre. Cyril Lemaitre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que vous êtes très pris, évidemment. Bah, merci à vous de me recevoir et de m'avoir invité à participer à votre émission. Alors, j'ai appris il y a quelques temps que vous étiez le nouveau président des JA. Quand on dit JA, c'est des jeunes agriculteurs du département de la Sarthe. D'abord, félicitations, hein, dites donc. Merci beaucoup. Bah, c'est bien. Donc, vous avez pris la relève... J'ai repris la relève après Maxime Gambreteau, ouais. Qui a cédé sa place il y a maintenant quasiment un mois. Quasiment un mois. Donc, vous allez un petit peu amener votre patte à cela, dans cette organisation, car il y a beaucoup de choses à faire, j'imagine. Chacun a sa façon de voir les choses. Oui, chacun a sa façon de voir les choses. On est sur des mandats de 2 ans, ouais. 2 années consécutives qui sont renouvelables.
On est reparti avec une nouvelle équipe, un nouveau bureau, un nouveau conseil d'administration, des nouveaux adhérents aussi. Ouais. Aujourd'hui, on est quasiment 500 adhérents. 500 adhérents sur le département de la Sarthe. Ça permet de faire une belle fête, ça, 500 adhérents. Enfin, un beau festif, un beau bal, exactement. Allez, moi, je suis toujours dans la fête, hein, exactement. Ah bah, nous aussi, chez GIA, on sait défendre notre métier en tant qu'agriculteur, mais on sait aussi partager des moments conviviaux et se partager aussi au niveau du grand public. Ouais, il y a le travail d'une chose parce que vous êtes dans la modernité, puis à côté on se dit que l'agriculteur, le paysan d'hier, c'est plus celui d'aujourd'hui, il a changé, il est jeune, il est dynamique, il a besoin de se divertir. C'est ça, on profite de la vie tout simplement. Donc c'est important ça, c'est important. Très important. Mais revenons un petit peu à ce job, ce métier, c'est une passion comme la passion de beaucoup de métiers. Souvent on le dit pas, on a des métiers, certains disent j'y vais parce que je suis obligé, d'autres disent non parce que j'aime ça, il y a une passion. Non, moi c'est vraiment une passion. Voilà, c'est vraiment une passion. Mes parents sont agriculteurs. J'ai toujours été baigné dedans. Ouais. Et c'est une passion. Et aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me prend aux tripes. Et demain, faire autre chose, il faudra vraiment m'y forcer. Ouais. Alors vous étiez, il y a vos parents, mais vous êtes deux frères. C'est en ça. Fait, vous êtes dit bon, moi avec les frères, non, on n'est pas très loin, mais moi je vais aller cavalier seul. Non, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est surtout aussi pour parce que c'est un métier, c'est prenant, c'est 7 jours sur 7. On peut prendre des vacances, mais c'est vraiment prenant. Et en fait, pour protéger la vie de famille, pour séparer un peu toutes les choses, j'ai préféré m'installer à part que de rejoindre le GAEC avec mes parents et mes frères. Ce qui n'empêche pas de se retrouver à certains moments, d'une part pour s'entraider, d'une part, puis aussi pour faire la fête. Ah c'est sûr, les repas de famille, on se les fait toujours tous ensemble. Oui, c'est festif. C'est ça, c'est très festif. Et puis aussi, on en profite pour travailler ensemble la semaine. C'est juste qu'on prend pas, chacun prend ses décisions chez soi et voilà. Et puis vous avez tous des idées ensemble, chacun, on échange un petit peu les idées de se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, la modernité, des belles choses, ce métier qui évolue, qui est dynamique, qui a changé évidemment. Qu'est-ce qui a changé justement dans ce beau métier d'agriculteur, d'éleveur? Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, on est sur un système aujourd'hui robotique, on arrive sur la technologie de pointe, de la robotique, du GPS, de la modulation, on est vraiment sur des techniques modernes, voire même très modernes. Mmh. C'est plus nos tracteurs sans clim, sans fenêtres. Aujourd'hui, on a des fenêtres, on a des clim, on a du GPS. On est limite mieux équipé que certaines voitures. On a la radio, on peut écouter RCF Sarthe. Hein. Ah, ça c'est sûr. on peut écouter la télé, RCF. La télé, bientôt. La télé, aujourd'hui, au vu de la technologie du tracteur, on l'a. Facile. Mais on ne regarde pas la télé en conduisant. Non, c'est interdit quand même. C'est interdit, on travaille. Oui, c'est notre outil de travail. Quand même. Jean-Claude. Malgré qu'aujourd'hui, certains tracteurs peuvent faire le travail tout seul. Oui, avec le GPS. Avec les GPS, ils peuvent faire le travail tout seuls. Mais l'humain est toujours là et on aura toujours besoin d'un humain. Exactement. Bon, on écoute un autre titre, Jean-Claude. Eh bien, on va écouter un autre titre. On va rester dans la nature. Dans la nature, on va écouter le tango des fauvettes, donc interprété par Alain Véron. Allons-y. Que le jour a fui et le sang vont légère et de l'ardente nuit pour goûter la mystère de ces baissées passions, de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Le jour a fui et le sang vent légère et de l'ardente nuit pour goûter la mystère
toutes ses baissées passions, de ses fauvettes brunes, sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Voilà, c'était Alain Véron avec le Tango des Fauvettes. Le Tango des Fauvettes, s'il vous plaît. Cyril Lemaitre, notre invité dans l'émission L'air d'accordéon et chansons. C'est vrai que dans cette émission, on pourrait dire, mais si, parce qu'ils font inviter, j'allais dire, bah, tout le monde. Et c'est intéressant de pouvoir parler aussi de ce monde. Souvent, on se dit, mais oui, mais ils n'ont pas que ça à faire. Mais non, mais ils ont aussi le droit de s'exprimer et de parler un petit peu que c'est un métier de passion, on le disait, et de dire aussi, ben bah, voilà, on se divertit, on organise aussi des soirées, on organise aussi des manifestations, on va en parler dans quelques instants. Et ils font aussi des manifestations avec l'accordéon. Eh bien, oui, tout est possible. La preuve en est, tout est possible. Alors en tout cas, pour revenir à vous, Cyril Lemaitre, c'est vrai que vous êtes basé à Auvers-le-Hamon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Petite commune très sympathique qui se trouve en direction... De Sablé-sur-Sarthe, ouais, entre Sablé et Brulon. Alors, on en profite justement, Cyril, si vous voulez, on va faire un peu de promo quand même, Jean-Claude, puisque chez vous, il va y avoir de manifestations agricoles cette année dans deux endroits. Oui, on a deux manifestations agricoles sur le canton de Sablé. Une première, la plus importante pour moi, qui est celle du comice communal. Il n'y a plus que deux comices communales en Sarthe, ouais. Auvers, Le Hamon et Saint-Nidorque. Oui, c'est curieux, oui. Voilà, il n'en reste plus que deux et on tient à persister. Et surtout, nous, cette année, à Auvers, Le Hamon, c'est notre 99e édition. Voilà, donc ça sent l'anniversaire l'année prochaine, je crois que ça va être sympa. Il va y avoir une grande fête. Là, on est en train d'y travailler pour le centenaire. On est en train de travailler sur cette édition. On va en parler à Gilou, hein, l'accompagnateur de Pierre Perret. Je suis sûr qu'il va venir, Gilou, il adore ça un petit peu. Donc, il n'y a pas de souci, on est vraiment en train de la préparer. On veut essayer de faire quelque chose de beau pour le centenaire, parce qu'on ne sait pas si on continuera énormément longtemps après. Bien parce sûr, que c'est vraiment un travail assez tout à fait prenant. Ouais. Et pour cela, on vous invite tous à venir participer le 13 juillet sur la commune d'Auvers-le-Hamon. Il faut noter ça un petit peu, nos amis auditeurs, auditrices qu'on embrasse évidemment, parce qu'on sait qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils aiment le côté festif. Ça, c'est important un petit peu d'aller voir ce qui se passe dans nos campagnes, de part et d'autre. Il y a tellement de belles choses à découvrir. Et c'est surtout aujourd'hui, on le dit souvent, on ne le répétera jamais assez, il faut emmener les enfants, parce que les enfants sont source de consommation, mais surtout de pédagogie. Hein. Voilà, c'est important aussi ça. Oui, on est là aussi en tant qu'exposant pour expliquer notre métier. Pourquoi on emmène nos animaux sur des comices. On est là aussi pour se comparer entre éleveurs, on est là aussi pour communiquer au grand public, on est là aussi pour faire découvrir la nature. Un comice, ça sert à ça. Hein. Ça sert à ça, c'est vraiment de tout découvrir, de faire découvrir, et aussi de, même nous, d'apprendre à communiquer. Oui, avec le public qui est le consommateur, de se dire, qu'est-ce que c'est les animaux, souvent, la plupart du temps, on se dit, ils ne connaissent pas les animaux, ils ne connaissent pas bien. Et ça, c'est toujours un peu curieux, parce que quand on pose des questions, souvent, on est surpris de la réponse, Jean-Claude. Ah, tout à fait, oui. Hein, on se dit, vous êtes un petit peu fédérateur, c'est important, ça, d'insinuer un petit peu cette culture, un petit peu du savoir pour nos jeunes. Oui, il faut qu'on l'inculte. C'est vraiment hyper important d'inculquer à nos jeunes qu'est-ce que c'est, d'où vient le produit aujourd'hui qu'ils mangent tous les jours, matin, midi, soir. C'est important. Il y avait cette célèbre émission, on en parlait en préparant, que j'ai fait pendant 2 ans, les terroirs de la Sarthe. Peut-être qu'elle reviendra à les savoir, mais pendant 2 ans, quel bonheur de découvrir ce qui s'est passé dans notre département. C'est magnifique. Plein de choses de qualité, de professionnels dans tous les domaines. Et je me dis, c'est beaucoup de travail, mais c'était très intéressant de voir un petit peu tout ce que vous faites. Et au travers de ça, les gens qui me disaient, mais rassurez-vous, on prend du bonheur, on prend du plaisir, on s'amuse également, on rigole comme tout le monde, et ça fait du bien. Hein. Eh ben oui, parce qu'en plus, on a la chance en Sarthe d'avoir quasiment tous les produits nationaux chez nous. Mmh. En un rayon de 50 km autour de la ville du Mans, on a tous nos produits. On fait du vin, on fait de la glace, on fait du porc, on fait du lait, on fait de la viande, on fait de la volaille, on fait du fromage, on sait tout faire en Sarthe. C'est vraiment... On a l'avantage d'éviter justement, puisqu'on parle de l'acide, de la pollution et tout, on se dit, on a tout ce qu'il faut chez nous. On a tout ce qu'il faut chez nous. Pourquoi bouger, Jean-Claude ? Ça sert à rien. Tout à fait. Restons dans ce département de la Sarthe, consommons de bons produits et évitons d'aller chercher au bout du monde des produits dont on n'a pas
besoin, on est d'accord. Ça. Un autre, également aussi, un autre comice, parce qu'on ne va pas l'oublier, sinon ils vont nous tirer les oreilles, oui. C'est le comice cantonal. Et le comice cantonal du canton de Sablé. Du canton de Sablé, ouais. Qui a lieu cette année le 4 août sur la commune de La Chapelle-du-Chêne, la commune jumelée avec la commune d'Avion. Ouais, bien sûr. Donc là, c'est le comice cantonal où pareil, on expose des animaux, tous les commerçants du canton sont invités à y participer, même du département. Le but, c'est vraiment, c'est pareil, c'est de communiquer, ça regroupe... L'année dernière, on était 5000. Eh oui, quand même, pas mal. On salue d'ailleurs notre ami Rioté, hein, qui était... Patrice, qui est le président. Hein, qui est toujours. Qui était donc à Parcé l'année dernière, c'était superbe, bien évidemment. On lui fait un petit coucou, évidemment. Un autre titre, Jean-Claude, peut-être? Eh bien, tout à fait. On va changer un peu de... On va quitter un peu l'accordéon, on va aller sur la trompette. On va écouter Jean-Claude Borelli avec un célèbre titre qu'on a tous pu entendre, c'est Dolan Melody. Oui, avec qui j'ai travaillé, lui et Michel Prévost. Voilà, on écoute. Voilà, c'était Jean-Claude Borelli avec Dolan Melody. Ben c'est bien, un style de musique également qu'on aime beaucoup. Ça change un peu. Ouais. Et on était en train d'avarder, bien sûr, avec Cyril Lemaitre, notre président, nouveau président des JA, donc de Auvers-le-Hamon, président départemental. Alors Cyril, un petit peu, c'est vrai qu'il y a ce côté de l'organisation, ce côté festif, et puis il y a aussi également une grande fête qui arrive, et donc vous êtes un petit peu le chef d'orchestre aussi. Ben oui, oui, les deux grands jours de JA qui fêteront leur 13e année cette année. 13 ans de cette belle aventure, c'est qui ça. S'appelle La ferme naturellement. Pourquoi on a pris cette appellation? Parce que c'était au Mans, vous allez me dire. Ben, c'était au Mans, la nature, la ferme, donc la ferme naturellement est venue normalement. Alors c'est vrai que c'est une fête qui rassemble, on va dire, le monde agricole. Et puis avec le monde agricole, ce qui était bien votre idée, c'était de rassembler ici les producteurs locaux. Et là je crois qu'on est gâtés, je dois dire sincèrement, venus des quatre coins de la Sarthe, même peut-être en limite de la Mayenne, pourquoi pas aussi. Oui, même en limite de Mayenne,
on les fait venir en Sarthe, hein, ces producteurs-là. Ouais. L'avantage de ça, c'est que tout au long des deux jours, il y a un programme qui va se détailler au fur et à mesure de la discussion. Il y a plein de petites choses qui sont faites pour échanger avec le consommateur. Ouais. On va partir du producteur jusqu'au consommateur. C'est ça qui est intéressant. Et les gens vont acheter des produits locaux, des produits de nos producteurs qui sont dans tous les domaines. Volailles, légumes, miel, la sève de bouleau et bien d'autres. J'en oublie tout ce qui est la partie des bovins, des fromages. C'est ça. Il y aura des animaux de présent, du matériel agricole de présent. Il y aura plein d'activités pour présenter les produits laitiers, pour présenter boire du bon lait, s'il vous plaît, c'est important. Boire du bon lait, il y aura aussi un stand avec les fermiers de Loué, sont vraiment de la Sarthe. Et puis voir l'éclosion, c'est important. L'éclosion des poussins, il y aura un tour de tracteur à pédale pour les enfants, il y aura des animaux, il y aura aussi une activité qui va vraiment être très très forte le samedi. C'est des chefs étoilés qui vont nous préparer des petites dégustations avec les produits qu'il y aura des producteurs présents sur la ferme naturellement, sur toute la journée, c'est vraiment... Oui, on voit qu'un petit peu, de plus d'années, ça fait quand même un certain temps que ça existe, et c'est vrai, on se dit, les gens viennent déguster, apprécier, et sincèrement, on est au retour quand même du goût, on est au retour un petit peu des bonnes choses, hein, Jean-Claude. Oui, ça fait du bien. On peut rappeler la date, justement, de ces deux jours ? Eh bien, le 17 et 18 mai. Alors c'est bientôt, donc il faut réserver ce week-end-là, c'est très important. Donc c'est Place de la République, pour ceux qui ne sauraient pas, mais notez bien ça, parce que deux jours de festivités, et surtout, il faut penser à avoir des cabas, s'il vous plaît. Il faut remplir, n'est-ce pas Jean-Claude des chariots carrément. Ah, des chariots carrément. Oui, parce que c'est lourd à porter. Ah, oui, mais on peut venir le vendredi, et revenir le samedi. Ah, oui, il faut mieux venir sur les deux jours. Il faut venir sur les deux jours, comme ça vous êtes sûr de bien remplir votre congélateur, parce que voilà, et le buffet et tout, et les bons produits, et vous ne manquez pas. Et au moins vous mangez de bonnes choses, c'est important. Et c'est la défense aussi de nos jeunes agriculteurs, en fait, nos agriculteurs en général, on est d'accord? Oui, c'est ça, c'est vraiment le but de ces deux jours-là, c'est de communiquer sur notre métier, faire voir que l'agriculture n'est pas un milieu fermé, c'est vraiment ouvert. On accueille tout le monde, tous les gens. Tout le monde est les bienvenus sur cette manifestation ici. Et puis bien sûr, pour les enfants, les enfants ne sont pas en reste. Hein. Il va y avoir des petits tracteurs pour faire le parcours parce que vous installez carrément. C'est vrai que vous prenez toute la place de la République, une bonne partie. Hein. Ah, on prend les 95% de la place de la République. Mais le but, c'est vraiment de faire découvrir notre métier. On est allé à la foire du Mans qui est aussi là pour ça. Mais là, on est vraiment en cœur de ville. L'accès est gratuit. Ouais, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Bon, il y a des activités sur tout le long de la journée, tous les enfants peuvent y participer. Oui, c'est très populaire, très populaire. Et on a besoin de ça parce qu'on voit chaque année, d'abord les personnalités viennent vous voir aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils s'intéressent un petit peu à ce que vous faites de part et d'autre. Et puis, il y a ce côté de se dire, c'est une fête en plein cœur, la capitale de la Sarthe. Hein. C'est bien aussi pour la com, justement. Ah c'est une très, très bonne com. C'est pour ça qu'on l'a mis en plein cœur de ville. À l'époque, on était au mois de septembre, on a dû décaler la date, mais on ne voulait pas changer de lieu exprès. Parce que bon, c'est quand même là que c'est important. C'est vrai que, vu le structurel, Jean-Claude, il faut de la place. Hein, et il faut qu'on se voit très bien. Puis, moi, les animations pour nos jeunes, et puis les dégustations de lait. Si, je déguste le lait aussi, moi, je mets un petit peu de... Un petit peu de fraise ou un petit peu de menthe. Exactement. Bon, on verra bien si notre technicien en chef, il aime ça un petit peu. Un peu de lait, un peu de... Non. Oui, il me dit peut-être. on va voir un petit peu. Et tout. Puis, c'est important tout ça d'avoir un ensemble et puis en même temps ça vous permet de communiquer votre organisation aussi parce que vous êtes là aussi pour défendre, j'allais dire, un petit peu ce que vous faites de part et d'autre. Et après aussi j'imagine qu'il y a les visites parce qu'après la ferme naturellement, on continue bien sûr à communiquer, c'est-à-dire la visite des fermes par exemple. Oui, et on fait aussi des visites de fermes, on fait aussi dans les écoles, GIA va aussi dans les écoles primaires présenter les métiers de la ferme, présenter les métiers du lait. Présenter comment fonctionne une ferme, qu'est-ce que fait un agriculteur sur sa ferme, quelle est l'organisation d'une journée, et on explique aux enfants, généralement entre du CE et du CM, on leur explique comment fonctionne une ferme, comment on fait du lait, pourquoi le lait il arrive sous forme de briques à la maison et non sous forme de lait J'ai une anecdote pour ça au sujet de la brique de lait. On le redit souvent quand j'interviewais comme ça nos amis. Comment vient le lait? Alors, c'est important parce que ça revient. Il me répondait ça vient en brique. Alors je me suis dit oh là là, ça va pas du tout. Le lait ne vient pas de la brique. Le lait vient de la vache. C'est ça. C'est vraiment pour ça qu'on veut faire la ferme naturellement. Il y a un boulot énorme. Pour expliquer. Le travail est énorme.
Nous, rien que sur les animations lait, on fait à peu près entre 1000 et 1200 élèves par an. Et oui, c'est important. Hein. Mais sauf, c'est tous les ans parce que les élèves évoluent, les élèves avancent dans leur... Donc on tourne tous les ans. Et après, sur la ferme naturellement, on retrouvera ces animations-là, on retrouvera les animations de la volaille, on retrouvera les dégustations, qui est vraiment un point fort. Oui, c'est un point fort. Puis on voit bien, chaque année, il y a des nouveaux visiteurs. Moi, vous savez, je commence à les connaître. Je me dis, oh, on n'était jamais venus, on a entendu parler, évidemment. Donc l'intérêt, c'est à chaque fois de renouveler. Il y a ceux qui viennent depuis 13 ans, honnêtement. Et il y a ceux qui disent, dis donc, viens-nous avec nous, on va à la République, parce que c'est la grande fête et c'est important d'avoir un petit peu cet outil de communication. Ah oui, c'est très, très important d'avoir cet outil de com. C'est vraiment aussi... très attrayant, c'est sympathique, on s'amuse, on discute, on échange, on fait des rencontres. Ouais. Si on veut réaccentuer sur les dégustations, on a vraiment du goût. C'est vraiment... Puis même les restaurateurs se font plaisir de cuisiner devant les gens. Exactement. Alors, parce qu'on avance dans l'émission, évidemment, c'est avant les 4 jours du Mans maintenant. C'est donc, vous serez aux 4 jours du Mans, j'imagine. On sera présent aux 4 jours du Mans. Et donc, vous ferez un petit pas communiqué, bien sûr, de dire on sera aussi là également. Il y a un thème cette année pour les 4 jours du Mans Toujours pas, je crois. Non, pour l'instant, on en parlera à revenir, évidemment. Donc, pour finaliser un petit peu, on va dire à nos auditeurs, vous, président, il faut leur donner l'idée de venir. Hein. Venez nous voir, évidemment. Venez apprécier les bons produits. Apprécier les bons produits de la Sarthe. Venez et consommez local. Ah oui, très bien, Jean-Claude, il a raison. Consommez local parce que, on peut pas. C'est d'actualité, vous serez d'accord avec moi, Cyril Lemaitre. On parle de produits de qualité, on parle du bien manger et on parle à côté, vous avez raison, souvent dans les discours, c'est de la malbouffe. Et je suis un défenseur de se dire mangez bien, mangez des bonnes choses parce qu'on ne peut plus continuer comme ça et surtout pour nos jeunes générations parce que c'est eux demain qui sont les consommateurs, exactement, n'est-ce pas hein. Et donc, si on veut bien danser, si on veut avoir le sourire, si on mange des bons produits, évidemment, on est joyeux. On est joyeux. Il faut manger de la qualité, en quantité suffisante, et surtout se faire plaisir, c'est la base. Un vrai bonheur. En tout cas, merci Cyril Lemaitre d'être venu parler un petit peu de vous, de l'organisation, des festivités que vous faites également. Puis ça va continuer, puis on va vous souhaiter évidemment de bons comices, et puis on va se retrouver comme il se doit. Oui, comme il se doit, on se retrouvera déjà le 17 et 18 mai. Voilà, je serai là, c'est promis. C'est promis. À la Place de la République, et merci à vous de m'avoir invité à participer à votre c'était émission. C'était un réel bonheur, Cyril en tout cas, puis saluer toute l'équipe qui est derrière son poste, j'en suis persuadé, comme il se doit, et puis on se retrouve très très bientôt. Jean-Claude, on va donc se quitter, mais avant je vais remercier André parce que vous allez retrouver bien sûr l'émission sur TVMN, donc dans quelques jours évidemment, donc notre cadreur évidemment. On va remercier Mathieu à la technique qui réalise cette émission évidemment, et puis bien évidemment Jean-Claude, merci aussi pour la prague. Merci à tout le monde et puis une bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. On parlera peut-être de chansons, mais je vous en dis pas plus. Merci encore Cyril. Merci à vous. Et puis bonne suite pour la présidence, bien évidemment. Et merci à bientôt. Hein. À bientôt. Voilà. Et on conclut toujours dans la nature avec Cerisier rose et pommier blanc, interprété par Claude Poisson.